Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Atello, une émission qu'anime généralement notre collègue Charles Ntsimba, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons familiales. Ne soyez donc pas scandalisés que je sois là pour la présenter. Aujourd'hui, je reçois un jeune écrivain, un jeune chercheur, un jeune avocat qui, depuis son enfance, il s'appelle Mauriac Mbuya Nsenga, qui, depuis son enfance, s'est toujours intéressé à la justice. Il a observé ce qui se passe au niveau de cette justice, la nôtre, jusqu'à ce qu'il termine l'université, et il a fait des recherches, il a interrogé ceux qui font la justice, comme il est jeune avocat. Il a produit un livre intitulé, vous le verrez tout à l'heure, « Les mots et les remèdes de la justice congolaise sans tabou ». Et il voudrait mettre tout ce matériau à la disposition de ceux qui dirigent la justice, ceux qui distribuent la justice, et également à la population. Monsieur Mauriac Mbuya Nsenga, bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir en même temps. Oui, bonsoir, parce que d'autres nous suivront en rediffusion. Alors, ainsi donc, vous avez observé de manière intelligente tout ce qui se fait au niveau de la justice. Il y a des choses à dénoncer, des choses peut-être à encourager. Mais vous dénoncez plus que vous n'encouragez. Partons du parquet. Vous avez été au parquet, vous avez interrogé ceux qui travaillent, vous avez interrogé ceux qui ont porté plainte. Qu'est-ce que vous avez donc trouvé au niveau du parquet? Merci beaucoup de me recevoir dans votre émission. C'est un honneur pour moi. Effectivement, ce que vous venez de dire, c'est vraiment très important. Depuis mon jeune âge, je me suis intéressé à la justice en lisant des ouvrages de droit, en suivant des émissions télé de la justice telles que les séries télévisées dans l'ancien temps, l'inspecteur Derrick, le Renard, l'inspecteur Mathula, tout ça. Et il y a aussi des séries télévisées de « Faites entrer l'accusé ». Tout cela m'ont donné quand même la passion de faire le droit, jusqu'à ce que je suis devenu avocat. Et ce que j'ai rencontré, et je continue d'ailleurs de les rencontrer jusqu'à présent dans l'administration de la justice congolaise, je me suis dit, pourquoi pas créer et rédiger un ouvrage qui parle de la justice congolaise. C'est pour cela que je suis arrivé à la rédaction de cet ouvrage. Votre question est celle de savoir ce que je dénonce, ce que j'ai vécu. D'abord, au niveau du parquet, nous allons évoluer. Oui, au niveau du parquet, effectivement, c'est ce qui est énuméré dans le premier chapitre, les mots et les remèdes de la justice congolaise. Donc, le premier chapitre est intitulé « Les mots qui gangrènent la justice congolaise ». Quels sont ces mots? Premièrement, dans les parquets. Ce que j'ai observé dans les parquets, vous savez, si un plaignant a une plainte à sa main, il aimerait saisir le parquet. Il doit nécessairement déposer sa plainte au secrétariat du parquet. Il appartient maintenant au secrétaire d'enregistrer afin de déposer cette plainte sur la table du procureur. Et le procureur va choisir un magistrat de son choix. D'ailleurs, lui-même, il connaît les magistrats qui sont sous son ressort pour que ces derniers puissent instruire l'affaire. Mais actuellement, c'est autre chose qui se passe. Il y a plusieurs plaignants maintenant qui ont des affinités avec certains magistrats. Un plaignant peut avoir une plainte, au lieu de déposer ça au secrétaire, il remet dans les mains propres du magistrat instructeur. Et c'est aberrant, vraiment. Lui-même, il s'est dit, quand il remet cette plainte dans les mains propres du magistrat, lui-même, il s'est dit, il est confiant qu'il est déjà sécurisé. Et parfois, c'est moyennant d'argent, parfois, c'est sur base des affinités, des relations. Il est l'ami de son père, de son frère, parfois aussi, c'est son ami. Et tout cela, ça crée vraiment le dysfonctionnement de la justice congolaise. C'est ce que je n'ai pas aimé. Et puis, toujours dans des parquets, il y a tout un service des APJ, agents de la police judiciaire, donc les agents des parquets. Ils ont la mission de déposer les mandats de comparution, ou bien d'exécuter les mandats d'amener. Alors, si une personne saisit le parquet, comme en République démocratique du Congo, ce que je dis, c'est vrai, il n'y a aucun parquet qui dispose d'un véhicule.
même ici dans la capitale, parce que j'ai sillonné presque dans toutes les provinces, je n'ai jamais vu un parquet qui dispose d'un véhicule. Alors il faut remettre à cet agent APJ, il travaille souvent au nombre de 2 ou de 3, il faut leur remettre 100 ou 200 dollars pour qu'ils puissent aller exécuter le mandat d'amener. Ils peuvent arriver au domicile de la personne présumée commettre une infraction. Au lieu de procéder à l'arrestation, ils sont aussi parfois corrompus. On peut leur remettre 200, 300, 500 dollars. Ça dépend de la fortune et de la personne concernée. Ils vont rentrer au parquet et dire au magistrat inspecteur que ce monsieur a déjà changé d'adresse ou il a déjà voyagé. En même temps, le plaignant attend que sa cause soit instruite. Oui, mais là, est-ce que ce n'est pas de notre faute, nous qui attendons qu'on distribue la justice? Parce que dans nos habitudes, nous voulons toujours que nos dossiers soient traités en priorité et il nous arrive souvent de remettre de l'argent pour que notre dossier puisse aller plus rapidement. Effectivement, certaines personnes remettent de l'argent pour que leur dossier soit traité diligemment, mais parce qu'elles savent que la justice n'a pas de moyens, n'a pas de crédit. La justice a un budget qui est insignifiant. Vous pouvez déposer votre plainte. Si vous ne donnez pas de l'argent, rien ne peut se faire. Aucune instruction ne peut avancer. C'est en ce moment-là... Il n'y a pas d'exception parce que vous avez juré de dire la vérité dans ce livre. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a aucune exception. Si vous ne remettez pas 20, 30 ou 50 dollars à l'agent, à l'APJ, personne ne peut aller déposer ce mandat de comparution et personne ne peut aller exécuter un mandat d'amener. C'est à vous, vous-même le plaignant. Parce que la justice n'a pas de budget. Oui, mais on peut réfléchir autrement. On me donne un mandat, je vais négocier auprès de la personne à arrêter et celle-là me donne de l'argent. Ça aussi, c'est une manière peut-être de se tirer d'affaire. Donc, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des exceptions, mais la façon dont les APJ travaillent, les paquets fonctionnent, ça devient comme un mode de vie. Il y a certains APJ qui n'ont même pas de salaire. D'autres n'ont même pas de numéro matricule. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre? Donc pour eux, la mission qui leur concerne, la mission la plus importante, c'est de posséder, d'être muni d'un mandat d'amener. Parce que c'est là où ils se retrouvent. J'ai beaucoup questionné les APJ. Ils n'ont pas de salaire. Vous allez voir un père de famille qui touche 80 000 francs congolais. D'autres n'en ont même pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors c'est là où ils en profitent aussi. Ça devient un mode de vie. Alors, vous avez promis donc de dénoncer les maux, oui, mais de proposer également des remèdes. Alors, à ce niveau-là, la remède serait... La remède au niveau des agents de la police judiciaire, donc les agents du parquet. Donc, chaque parquet en République démocratique du Congo doit disposer au moins 2 ou 3 véhicules pour permettre à ces agents de bien remplir leur mission. Parce que vraiment, vous pensez que rien que le véhicule, on se contentera seulement du véhicule, puisque ce mot que vous dénoncez est plus grave que cela. Le véhicule ne suffira peut-être pas. Non. Le véhicule ne suffira peut-être pas. Aussi, question des salaires. C'est ça aussi le problème. Question des salaires. Il y a certains plaignants qui arrivent à donner à ces agents-là une somme d'argent. Ils peuvent en remettre, un plaignant peut remettre à un agent 100 ou 200 dollars. 200 dollars, mais ça peut être le quadruple du salaire de cet agent-là. C'est vraiment compliqué. Alors, si au parquet, il n'y a pas de véhicule, les enquêtes, on les fait comment? Les enquêtes, c'est parmi les mots aussi, les enquêtes. Vous pouvez avoir, il peut y avoir un cas de mort d'homme dans des contrées très éloignées de la capitale, même dans des provinces. Un magistrat instructeur, on lui confie ses dossiers de diligenter les enquêtes. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas y aller avec son propre véhicule là-bas, au risque d'endommager son véhicule. Alors l'État, un parquet ne dispose pas d'un véhicule. Le magistrat va croiser les bras. Il ne peut même pas mener des enquêtes. C'est pour cela que vous voyez à chaque instant. Non, il peut chercher des moyens pour mener une enquête. Ne dites pas qu'on ne mène jamais des enquêtes. Là, vous exagérez. Les magistrats instructeurs souffrent énormément. Ils mènent des enquêtes, mais c'est aux dépens. Ils dépendent maintenant des justiciables. Il peut y avoir un cas de mort d'homme quelque part, ou bien du vol, de escroquerie, quoi que ce soit. Mais il appartient aux plaignants de mettre les moyens. Vous savez, même si un tribunal siège, un tribunal, composition de 3 juges, les parties décident que les juges puissent faire la descente sur le lieu.
de la commission de l'infraction. Mmh. Alors, il appartient maintenant aux parties, au procès, de mettre les moyens, de faire déplacer le tribunal. Si vous ne mettez pas les moyens, le tribunal ne se déplacera jamais. Moi là où c'est ça le problème. Moi, là, là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Oui. Ce que vous parlez de jamais, moi, je peux aimer mon travail et puis me sacrifier deux ou trois fois pour mener une enquête. Pour mener, bien sûr, moi j'ai mené des enquêtes. Il y a aussi certains dossiers que moi aussi j'ai traités. Il y a certaines personnes, j'ai questionné les magistrats, les APJ, les huissiers et les greffiers. Prenons l'exemple d'un tribunal, par exemple, des grandes, comme nous sommes ici à Kinshasa, des grandes instances de Ndjili, qui statue en matière de déguerpissement, quoi que ce soit. Alors le tribunal n'est pas éclairé, les parties disent que non, on doit. Par exemple, une matière de déplacement des bornes. On doit, le parti demande à ce que le juge puisse se déplacer, que le tribunal se déplace afin de constater ce qui se passe sur le terrain. Les partis eux-mêmes le savent par le canal de leurs avocats. Vous devez mettre 100, 200 ou 300 dollars à la disposition du tribunal. Si vous ne mettez pas cette somme d'argent, votre affaire va pourrir dans les greffes. Vous pouvez faire même 3 ans. Mais le jour où vous mettrez cette somme d'argent sur la table du tribunal, alors les juges auront cette possibilité de louer les taxis, de prendre leur véhicule, d'acheter le carburant pour mener des enquêtes. Ce que je dis, c'est vraiment vrai. Je ne suis pas à la défensive des magistrats, mais je parle rien que des faits qui sont vrais, qui se passent sur le terrain. Ben, ce sont des faits vrais, mais moi, j'aurais voulu quand même que vous puissiez dire, bon, toute règle peut avoir des exceptions. Moi, j'en connais qui ont refusé des cadeaux, belles voitures, on vient vous l'offrir, et qui ont dit, si vous me donnez cette voiture pour usage personnel, comment ferais-je pour vous arrêter un jour? Oui, dans la magistrature, il y a vraiment des bons magistrats, des véritables magistrats. Ils sont très nombreux. La plupart, ce sont des magistrats qui occupent qui travaillent dans des juridictions supérieures parce qu'ils ont travaillé il y a très longtemps. Quand même, sur le plan financier, ils se portent un peu bien. Mm-hmm. Mais il y a certains magistrats dans des tribunaux de paix, dans des provinces, parce que j'étais dans des provinces là. Si vous voyez leur mode de vie, c'est vraiment très compliqué, c'est très déplorable. Il y a d'autres magistrats, vous venez avec un cadeau, quoi que ce soit, ils ne peuvent pas prendre cela. Mm-hmm. Ce sont des exceptions. Ce sont des exceptions, mais ceux qui arrivent à en prendre ça, il ne faut pas les condamner immédiatement. Pourquoi ils arrivent à prendre cela? Parce qu'on condamne les magistrats en République démocratique du Congo des corruptions à tort et à travers. On les traite avec superficialité, sans entrer en profondeur. C'est sur le plan psychologique, là, on doit maintenant se questionner sur la vie des magistrats. Oui, mais d'accord. Et pourquoi les dossiers durent-ils souvent? Il y a des dossiers, vous devez attendre des années pour qu'on statue dessus. Premièrement, j'ai soulevé aussi dans l'ouvrage en ce qui concerne la longueur des procédures. Mm-hmm. Premièrement, c'est manque de moyens. Les magistrats ne se déplacent pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est pour cela que les enquêtes n'avancent toujours pas. Mm-hmm. Et aussi, dans les paquets, il y a certains magistrats qu'on les attribue par les procureurs, les chefs d'office des parquets, plusieurs dossiers. Ils sont entourés par plusieurs dossiers. D'autres n'en ont même pas. Maintenant, il y a l'attribution d'une manière subjective. Ce que je dis est vrai. Il y a certains magistrats, vous pouvez entrer dans son cabinet, il n'a même pas des dossiers à traiter, mais l'autre... Mais pourquoi on donne plusieurs dossiers à l'un et on n'en donne pas à l'autre? Pour incompétence ou... Pas pour incompétence. Mais actuellement, il faut avoir des connaissances, être enfant d'eux, avoir des connaissances, être cousin d'eux, pour essayer un peu d'en bénéficier. Donc, même les magistrats eux-mêmes regrettent ce genre de pratiques, mais parce qu'ils ont cette obligation de réserve. Ils ne peuvent pas passer dans des médias et évoquer tout ce qui se passe au sein des parquets. En ce qui concerne aussi la mutation, il y a des mutations qu'on appelle les mutations sanctions. Vous êtes muté. Donc, vous êtes ici à Kinshasa, on vous dit, vous êtes muté où c'est, par exemple, dans la province du Haut-Katanga. Il y a un territoire, là, je peux parler dans le territoire de Kambo, vous n'avez jamais été là. Vous êtes père de famille, de 8 enfants, quittez Kinshasa, soit Kisangani à la province du Haut-Katanga ou bien de Lualaba. L'État ne peut pas vous donner même les frais de transport. Alors, la famille va se déplacer comment?
Plusieurs familles de magistrats se sont disloquées à cause de ces mutations de sanctions. Mais d'autres font 10 ans, 20 ans dans des centres-villes, dans des centres urbains. Oui, mais parce que cette situation que vous déplorez, elle date de, depuis quand? Cette situation que je déplore, ça date de très longtemps, depuis l'époque de Mobutu. Parce que j'avais lu la loi de 1988 qui parle de statut de magistrat. Les magistrats n'étaient pas vraiment indépendants. Ça date de très longtemps. Je ne juge personne, mais ça date de très longtemps. Jusqu'à présent, on sent un peu, on parle un peu de l'état des droits, mais sur le terrain, rien ne s'est fait vraiment. On ne sent pas vraiment l'état des droits sur le terrain. Alors, votre objectif, c'est donc de mettre à la disposition de nouveaux dirigeants nommés toutes ces informations afin qu'ils puissent tout mettre en œuvre afin de donner des moyens aux magistrats ou à toutes les personnes qui travaillent autour de la justice. C'est ça vraiment l'objectif. Je m'intéresse trop aux autorités politiques d'appliquer à l'esprit et à la lettre l'article 25 de la loi portant statut des magistrats de 2006 modifié en 2015. Parce que cette loi vraiment donc, énumère les avantages sociaux des magistrats. Le magistrat a droit au logement, à défaut d'être logé par l'État, aux soins de santé, pour lui, son conjoint et les enfants à sa charge. Pécule, il a droit au pécule de vacances, mais il ne reçoit pas. Il a droit aux frais funéraires s'il décède. Mais en République démocratique du Congo, moi j'étais dans une province, là un magistrat décède, même ici à Kinshasa, si un magistrat décède dans un parquet, dans un tribunal, il appartient maintenant à ses collègues de faire des cotisations pour qu'ils soient enterrés dignement. Mais un tel monsieur, il est devant des dossiers qui sont très importants. Il traite sur l'humain, il prend des décisions d'un tel ou tel enfant en conflit avec la loi, il juge des dossiers vraiment qui sont très importants sur des sommes de milliers et des milliers de dollars. Mais il est mal rémunéré. L'article 25 n'est pas appliqué comme il faut. Et puis l'ironie du sort, on revient à l'article 27, on dit que le magistrat doit travailler en toute dignité, avec loyauté. Et tout cela, moi, ça me choque profondément. Oui, mais ça vous chauffe. Ça vous choque. Quand le magistrat, s'enrichit sur la bête, et que l'argent n'entre pas à l'État, comment voulez-vous que l'État dispose de suffisamment d'argent pour le payer correctement? Là aussi, il y a un problème. Mais le magistrat... Parce que vous dites qu'ils se servent, qu'ils vivent sur la bête, comme on dit, c'est-à-dire la justice, c'est un domaine qui doit amener de l'argent au niveau de l'État. Est-ce que cette situation est vérifiée? Est-ce que ça se fait? Est-ce que l'argent entre par le truchement de la justice? Oui ou non? Oui, le secteur de la justice était un secteur vraiment. L'argent entre, mais la canalisation de cette somme d'argent. La DGRAD est aussi défaillante, en ce qui concerne, dès qu'un magistrat arrête quelqu'un, il faut payer. Dès que vous sollicitez la mise en liberté provisoire, ou le magistrat aimerait ordonner la main levée de la détention, généralement, certaines personnes payent la caution d'une manière exagérée, et la DGRAD perçoit seulement des miettes pour voir quelqu'un qui paye. Expliquez-moi ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire quoi? Concrètement, c'est quoi? Donc, on demande beaucoup d'argent, mais on paye peu à la DGRAD, le reste, on garde pour soi. C'est ça. C'est ça les mots qui gangrènent l'administration de la justice congolaise. La DGRAD ne fait pas son travail. Alors, c'est le magistrat lui-même qui perçoit la somme d'argent et il dit à l'agent de la DGRAD de veiller consigner ça, 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 ça. Mais c'est pas à lui de donner l'ordre à la DGRAD. C'est la DGRAD de... C'est en ce moment-là, j'ai essayé un peu de faire, dans le second chapitre, quelques remèdes et les propositions que le pouvoir public pourrait faire pour améliorer ces secteurs ici, qui est comme le déshérité de l'État congolais. Donc j'ai essayé, toutes les personnes qui vont se procurer cet ouvrage-là pourront rencontrer les remèdes dans le second chapitre. Non, moi je voudrais que vous puissiez le dire. Normalement, ça devait se passer comment? C'est l'homme de la DGRAD qui devrait, n'est-ce pas, demander ce qu'on doit à l'État et non pas au juge d'imposer des sommes
faramineuse. Vous savez, actuellement, c'est... Soyez concret. Oui, oui, il y a un arrêté interministériel qui a fixé le montant de la caution. Donc, combien le, à peu près? Le ministère des Finances et le ministère de la Justice, ils ont produit un arrêté interministériel. Le mal en République démocratique du Congo, en ce qui concerne la caution et les amendes, c'est quand la loi ou bien un arrêté fixe la caution d'un minimum et d'un maximum. Donc, vous devez payer entre... le minimum 1000 dollars. Donc, prenons l'exemple, l'infraction d'abus de confiance. La loi fixe, je n'ai pas la précision, admettons de 500 dollars à 1000 dollars pour obtenir la liberté provisoire. Alors, vous savez que maintenant, le magistrat a la largesse un peu de négocier. Il peut y aller même en deçà, soit entre 500 000 dollars, il peut percevoir même 800 dollars, mais lui, il peut mettre... autre chose à côté. C'est pour cela il serait mieux. Et il donne 500 à... Il paye 500 à la DGRAD et puis le reste, il garde... Pas même 500 à la DGRAD. Même si vous menez des enquêtes sur terrain, vous questionnez les agents de la DGRAD qui sont dans des tribunaux, dans des paquets, sur toute l'étendue de la République. Je n'ai jamais vu ce qu'on appelle quoi le... Je n'ai jamais vu les preuves de paiement des 500 dollars pour la liberté provisoire. Généralement, c'est 50 000 francs, 80 000 francs. Un montant qui ne dépasse pas 100 000 francs. Alors que ça devait aller de combien à combien? Ça devait y aller... Il y a certaines personnes qui payent 1 000 dollars, 1 500 dollars, 800 dollars. Mais la DGRAD ne prend que 80 000 francs pour le trésor public ou 100 000 francs pour le trésor public. C'est ça maintenant le problème qui est là. C'est pour ça qu'au second chapitre, il y a quand même certains remèdes que le pouvoir... public peuvent faire pour essayer un peu de moderniser notre justice. Une des solutions. Bon, une des solutions, c'est concerne d'abord les remèdes, c'est le salaire des magistrats. Vous allez voir dans un jeune qui vient de terminer l'université, qui a 25 à 26 ans, il est nommé substitut du procureur, mais il a un salaire qui ne dépasse pas 600 ou 700 dollars. Il est dans un parquet, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais vous allez voir ailleurs... Un 600 dollars en débutant... Bon. Un débutant, oui. Vous estimez que c'est très peu? C'est très peu. Il traite sur l'humain. Son travail, c'est sur l'humain. Il prend des décisions très délicates sur le sort. Il a la condamnation ou la liberté de quelqu'un. Dans le second chapitre, je peux proposer en ce qui concerne le remède, un jeune magistrat qui entre en fonction, au moins, il peut toucher au moins 2500 dollars le mois, mensuellement. Et qu'il soit logé par l'État. L'État puisse créer même des hôpitaux rien que pour les magistrats. Là, ça serait mieux. Sans cela, rien ne peut se faire. Est-ce que vous connaissez, n'est-ce pas, comment je veux dire, le budget qui est attribué à la justice? Ne parlons pas en l'air. Oui, je ne parle pas en l'air. Même ici, dans l'ouvrage, j'ai questionné quelques magistrats. Et aussi, parce que le budget de la République démocratique du Congo, d'abord, le budget national, c'est 5 milliards de dollars. Alors? Mais là, pour la justice, on nous parle en termes de pourcentage. Donc, 5% des... 5 milliards de dollars, c'est 2 500 000. Donc, non, c'est, si vous prenez 5% des 5 milliards, c'est 250 millions de dollars pour le secteur de la justice uniquement. Et le Conseil supérieur de donc, la magistrature. Donc là, vous avez écrit, vous avez parlé en l'air. C'est pas possible avec ce budget-là de donner la somme que vous proposez aux jeunes qui viennent d'entrer? Non, je... Même cette somme-là... C'est un rêve. Non, c'est pas un... C'est une projection. Tout est possible. Avec même le 250 millions de dollars, il y a certains magistrats qui me l'ont dit, le Conseil supérieur de la magistrature, l'autorité qui est chargée d'utiliser ce budget. Il y a toute une procédure là qui est incompréhensible. Certains magistrats m'ont dit que 70% de ces budgets de la magistrature, donc 70% sont utilisés rien que pour les fournitures de bureaux et autre chose. 30% pour affecter au salaire des magistrats. Et les magistrats ont des syndicats. Ce n'est que dans ce pays on a entendu des syndicats pro-gouvernement et pro-magistrats. Ils ne peuvent pas parler. C'est ça maintenant le problème qui est là. Même le 250 millions, si on renversait un peu la chose là, l'utilisation, 70% utilisé pour le paiement et 30% pour les fournitures des bureaux et autres fonctionnements, ça devait être, il devait y avoir quand même l'équilibre.
Et dans certains bureaux, vous arrivez, c'est vous-même qui achetez du papier pour le magistrat. Donc, quand on dit que cet argent sert à acheter les fournitures, en fait, c'est pas vrai. C'est ça, vous entrez le magistrat, il doit nécessairement avoir des rames de papier duplicateur. Ah, et mais, si nous allions du côté de l'inspection du travail, oui. Il nous reste plus que 5 minutes. Ah, le temps est vraiment... Ben oui, c'est à la télévision. Oui, bien sûr. À l'inspection du travail, vous savez, dans chaque province, au chef-lieu de chaque province, il doit y avoir une inspection provinciale du travail. Mm-hmm. Et c'est au niveau national, nous avons une inspection générale. Alors, l'inspection provinciale du travail a sa mission propre. L'article 196 et 197, je crois, du Code du travail donne aux inspecteurs du travail la mission de descendre dans les entreprises privées, de poser des questions aux travailleurs s'ils ont des contrats de travail, si c'est en rapport avec les SMIC, mais ils ne le font pas. Aucune inspection. J'ai mené des enquêtes, j'ai appelé plusieurs inspecteurs qui sont dans des provinces. Aucune inspection du travail ne possède un véhicule. Même pour mener ce genre d'enquête et d'émission, c'est vraiment très difficile pour eux de le faire. La plupart, ce sont des sexagénaires, septuagénaires, des pères de famille. Ils ont un salaire qui ne dépasse pas 300 000 francs congolais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils descendent dans des sociétés privées, surtout dans des supermarchés. Pas pour mener des enquêtes. Alors, ils sont là, on leur donne 100 $, 200 $, le triple ou le quadruple de son salaire. Ils rentrent. Alors, la société va s'exploser un jour si c'est lui qui est censé les contrôler. Les entreprises privées ne le font pas. Alors, que feront maintenant les travailleurs? C'est ça le problème. En résumé, on ne va pas parler de prison, on n'a plus de temps. Mmh. En résumé, qu'est-ce que vous proposez? Il faudrait que l'État ait beaucoup de moyens pour donner une quotité intéressante à la justice, puisque sans justice, on tourne en rond. C'est ce que vous souhaitez? Oui, parce que j'ai évoqué aussi, bon, c'est seule la justice qui élève une nation, dans Proverbe 14 et 34. Même la loi divine ne nous parle pas de la biologie, de la médecine, des infrastructures, on ne parle rien que de la justice. Il doit y avoir un budget conséquent dans le secteur de la justice. L'État congolais doit remettre le pouvoir au juge de juger, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce que l'indépendance de la République démocratique du Congo du pouvoir des juges est remise en question. Le juge, pour rendre aussi sa décision définitive, il doit obtenir le visa des soins de ses supérieurs hiérarchiques ou bien des autorités politiques. Qu'est-ce que le supérieur hiérarchique vient faire? C'est ça. C'est lui qui doit rendre... Le visa. Oui. Les juges qui statuent dans une affaire, là, dans un tribunal, là, avant de rendre leur décision, ils doivent obtenir le visa de leur chef, présenter d'abord la décision définitive au chef de la juridiction. Si ses intérêts sont en jeu, lui aussi, il peut dire « Non, non, essayez un peu de revoir votre décision. » Il peut même imposer sa décision. Donc l'indépendance, quand on nous parle de l'indépendance de la justice, il faut y entrer au fond, traiter cette question en profondeur avec les magistrats du siège. C'est eux qui ont des... qui possèdent vraiment des vérités. C'est eux vraiment, mais il y a l'obligation des réserves, ils ne peuvent pas tout dire. Alors, puisque vous êtes un homme de droit, tout ce que vous avez dit à ce micro ne va-t-il pas vous être reproché? Bon, je suis un chercheur et un écrivain. Je sais pas, on peut me reprocher sur base de quoi? Parce que je suis un chercheur, j'ai mené des enquêtes, mes recherches pour porter ma brique en ce qui concerne la construction, l'amélioration, la modernisation de notre justice congolaise. Le président de la République avait dit chaque personne là où elle est doit fournir quand même un effort de contribuer pour la modernisation de notre pays. C'est ce que j'ai essayé aussi de faire. C'est un travail qui m'a pris presque 6 ans en questionnant les magistrats, les très autorités bien judiciaires. Et Monsieur Mauriac Mbuya Senga, je vous remercie. Le fait d'avoir écrit, de vous être donné la peine d'écrire, c'est ce qui m'a plu. Parce que se donner le temps d'écrire veut dire que vous voulez vraiment faire en sorte que le pays avance. Okay. Je vous encourage à faire d'autres recherches. Aux téléspectateurs, je pose seulement une question de la petite lucarne. On dit une ou un remède. Donnez la réponse à cette question, puisque moi-même, j'ai fait volontairement une faute
pour réveiller votre conscience. Merci, M. Mauriac Mbouya. Et à la prochaine, au prochain livre. Il y en a d'autres qui sont en chantier. Il y a plusieurs, deux ouvrages qui sont en chantier, mais ça dépend aussi de moi. Vous savez qu'en France, on appelle universitaire, pas celui qui a été à l'université, mais celui qui continue la recherche. Oui, et vous êtes universitaire. Oui, oui, je suis universitaire. Merci. Au revoir. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Mesdames, au revoir. Messieurs aussi.